ça a déclenché des coupures de circuits en cascade, ce qui a fait qu'une grande partie du campus a été sans électricité pendant tout un temps, le redémarrage étant plus difficile. Et donc, cet événement m'a fait penser à deux choses. D'abord, le phénomène de la cascade, un événement pas tout à fait anodin, mais d'une ampleur limitée, qui en déclenche d'autres. Deuxième chose, ça m'a rappelé une vieille lecture que certains d'entre vous certainement connaissent, qui est le livre Small World de David Lodge, qui décrit le monde académique, bon, peut-être un peu ancien, puisque ça a été écrit en 84, de professeurs qui voyagent à travers le monde, et d'un de ces professeurs qui doit faire une communication, et qui est un peu la panne de l'auteur, qui commence à rédiger, qui n'arrive pas à terminer son texte, et qui n'a qu'un embryon de texte pour commencer son intervention, et qui commence dans un état quasi de panique, et puis qui est soudainement sauvé par un événement improbable. Et je me suis dit, ben peut-être qu'aujourd'hui je vais être sauvé par un événement de ce type. Je n'ai pas d'électricité parce que je n'avais encore rien préparé début d'après-midi. Enfin, le problème a été limité et ce qu'on appelle ici à Liège la RID, c'est l'administration des ressources immobilières, a bien fait son boulot, ce qui fait que je vais quand même passer de Harry à Orbi. Alors, on a beaucoup parlé d'Orbi aujourd'hui, donc si je commence à en parler trop, je vais certainement répéter des choses qui ont été dites précédemment. Mais je vais quand même commencer par féliciter les promoteurs d'Orbi, bon, le directeur de RER Bernard Rentier et Paul Thirion qui a été un peu la cheville ouvrière de la mise en place d'Orbi. Orbi est un succès, je crois que personne n'en doute absolument. C'est clairement un succès. C'est un succès technique. Depuis le début, c'est-à-dire que ça fonctionne bien, les publications sont accessibles, elles sont préservées, tout se passe tout à fait admirablement bien, malgré les pannes d'électricité, parce que nos serveurs sont quand même protégés par des générateurs de secours. C'est un succès au niveau des fonctions remplies, ça vient d'être rappelé dans l'exposé qui a précédé. C'est aussi, et ça je crois que c'est le plus important, un succès culturel, dans le sens qu'au départ, parmi les chercheurs de cette institution, il y avait une certaine réticence peut-être, ou en tout cas une certaine indolence par rapport à partager ces publications sur Orbi. On en a fait une obligation, peut-être au départ pas tellement bien perçue, mais petit à petit acceptée. Et maintenant je dirais que l'usage d'Orbi n'est plus quelque chose qu'on doit imposer, c'est quelque chose qui est demandé. Au point qu'on a même des personnes qui ont quitté l'université, qui nous recontactent en nous demandant « Est-ce qu'on ne peut pas encore déposer nos publications sur Orbi ?» On ne peut plus le faire parce qu'on n'est plus dans l'université, mais on voudrait continuer à le faire. Par contre, maintenant, dans ma fonction de recteur, à cette saison, ben, on prépare les budgets. Et si je regarde si Orbi était un succès du point de vue de la préparation des budgets, pas vraiment. Pas que Orbi coûte horriblement cher, hein, c'est encore raisonnable, c'est Thirion, mais surtout que les budgets demandés pour les bibliothèques ne cessent d'augmenter. Alors on a largement parlé du changement de modèle par rapport à la publication scientifique, et je pense qu'il serait tout à fait inutile que je revienne sur la question, et que des modèles tout à fait crédibles qui pourraient finalement réduire nos coûts et donner une autre façon de collaborer, de publier dans le monde scientifique, ont été présentés. La grosse difficulté, c'est comment y arriver. C'est un peu la transition. C'est toujours la même chose. Quand on s'est passé d'une situation à une autre assez différente, il faut une transition, et cette transition n'est pas toujours facile. Il y a des réticences, et les réticences ont été mises en évidence dans ce que vous venez d'entendre. Alors, je me dis plusieurs choses par rapport à ce problème de transition. Il y a des éléments sur lesquels on peut agir. Et un, sur lequel je pense qu'on peut agir très rapidement au sein des universités, c'est les mécanismes d'évaluation. Ça a été dit et redit. Et là, en tant que recteur de l'institution, je me dis on peut agir et sortir effectivement de cette culture. Alors, c'est un peu difficile parce que non seulement c'est changer sa façon de voir les choses, ça demande aussi plus de travail. On parlait de ce qui se faisait bon, précédemment, au siècle passé, ou en tout cas la première moitié, même un peu au-delà du siècle passé, où finalement on regardait les travaux des personnes, on les évaluait, on voyait qu'il y avait quelque chose d'intéressant et l'information circulait.
et l'évaluation se faisait quasi naturellement. On savait qui étaient les personnes de renom dans un domaine sans qu'on ait besoin d'indice bibliométrique pour le savoir. Évidemment, la communauté scientifique s'est largement étendue depuis et les choses ne sont plus tout à fait aussi limitées en étendue, donc ça crée aussi quelques difficultés additionnelles. Mais quand on évalue quelqu'un pour engager, par exemple, dans notre université, je pense que prendre le temps non seulement de regarder ses indices, mais d'apprendre à connaître la personne et de voir ce qu'il a fait, d'évaluer un peu suivant une grille comme cela a été présenté tout à l'heure, est quelque chose que nous pouvons parfaitement faire et qui peut être extrêmement positif. Il en va de même, évidemment, des personnes qui sont déjà en place et des évaluations qui touchent à l'évolution de leur carrière. En faisant ça, on contribue à un mouvement. Et c'est là que je reviens à mon thème de départ qui est celui du basculement. Il y a un moment donné où les choses basculent. Et c'est les petits pas vers ce basculement, vers un point où l'équilibre se rompt et change, où les choses basculent. Et c'est souvent le cas, par exemple, de la révolution technologique. Je vais prendre un domaine que vous connaissez tous, qui est celui de la photo digitale. Les appareils photo digitaux ont commencé à apparaître. Alors, on a commencé, sur les plus technologiquement orientés, on commençait à faire des photos digitales. Bon, ce n'était pas toujours très bon au niveau qualité, ça posait un certain nombre de problèmes. Et je me souviens d'avoir fait des photos digitales, on m'a dit, oui, mais enfin, écoute, des photos classiques, c'est quand même de meilleure qualité, hein, pourquoi tu joues avec ça? Et c'est vrai, et à l'époque, c'est vrai que les photos avaient un déficit de qualité. Il y avait un avantage pratique, évidemment, que tout le monde connaît. Et puis, la technologie s'est améliorée, et tout d'un coup, les choses ont basculé, et Kodak est tombé en faillite. Alors, la faillite de Kodak, évidemment, c'était quelque chose de très, très problématique pour les personnes qui travaillaient dans cette entreprise. Et on ne voit jamais de bon œil disparaître une entreprise de cette taille, surtout quand on pense à l'impact pour ses employés. Mais d'un autre côté, ça a changé le monde de la photographie. Et je pense que dans le domaine de l'édition, on peut voir quelque chose de similaire, l'édition scientifique, je veux dire, quelque chose de similaire arriver. À un moment donné, on va arriver à ce moment de basculement. Si, à travers le monde, les attitudes changent graduellement, on change nos procédures dans les universités, on change notre façon de voir les choses, à un moment donné, on va arriver à un point où on se dit, ben, finalement, tout ça n'a plus de sens, on fait autrement. On a des plateformes de publication, on a autre chose, on n'a plus besoin des éditeurs. Et l'avenir des éditeurs, en tout cas, est compromis, ou en tout cas, ils devront se réorienter vers d'autres activités. Je pense que j'ai été assez long après cette journée qui a été prolongée à cause des difficultés techniques. Je dois vous avouer que je suis ingénieur électricien, donc peut-être que je me sens un petit peu concerné par ce type de problème. Mais je pense que tout est remis dans l'ordre maintenant. Et je crois qu'il me reste à vous inviter à partager le verre de l'amitié à l'étage en dessous. Je vous remercie.